juste pour la décision, vous créez un subsidiaire dans votre Moses Housing Company qui s'appelle MHC Properties Limited. Ça, subsidiaire-là, on a quatre objectifs et deux produits d'abord fidèles et grands. C'est-à-dire, to promote property development in Mauritius and in Africa. Ça, c'est le premier. Bon. Deuxième, c'est de créer une compagnie de setting pour Mauritius Housing Company sur votre projet. Alors, moi, je pose beaucoup de questions dessus. Par les temps qui courent, les temps modernes, est-ce qu'il n'y a pas fait beaucoup plus de sens pour outsource les services de setting au lieu de créer un subsidiaire pour faire ça dans MHC? Parce que MHC, il ne faut pas croire dans sa conception pour le projet. Un projet qu'il vient faire dans le passé, et par exemple Cyber Village qui se plie grand projet, le design associatif là-bas qui fait fonctionner correctement. Mais aussi pose-moi la question, si pas MHC a un bilan assez costeux dans Maurice de votre projet qu'il vient faire avec beaucoup de succès, pour être capable de permettre d'aspirer pour faire property development dans l'Afrique, quand dans l'Afrique il y a un géant là-bas. Qui déjà est implémenté dans le risque.